Allô tout le monde, voici Champion MMCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en informatique. Aujourd'hui, c'est lequel? Je pense que c'est plus combien de vidéos, je vais pas regarder avant, mais c'est pas grave. Mais la dernière pour avant l'été, les vacances, bien sûr. Bon, malgré que certains sont déjà en vacances depuis un petit bout, d'autres viennent d'entrer en vacances, peu importe. Mais je vous dis de bonnes vacances, plutôt. Je vous souhaite de bonnes vacances, honnêtement. Et profitez bien de votre été et de nos journées qui vont faire beau. Parce qu'il pleut souvent. Ça, on peut le dire. Quand je dis qu'il pleut, je parle au Québec. Mais ouais. Donc, le 24 juin, c'était la fête nationale du Québec. Puis pour cette journée-là, yes, j'étais à Québec en plus durant la fête nationale Saint-Jean-Baptiste à Québec. J'étais là, ouais. Pour non, pas écouter un concert ou des affaires même. Non, mieux que ça, jouer. Oui. Comme l'année passée, j'ai fait un vlog avec ça. Là, il n'y aura peut-être pas de vlog sur ma seconde chaîne sur ça, à moins que je le fasse, je sais pas. C'est moi qui vous décide, mais au début, je disais peut-être, mais finalement, non, il n'y en aura pas. Ça, c'est juste avant de commencer la vidéo. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on va faire, comme vous avez pu voir, on va faire un peu de programmation. Mais juste avant, je vais vous parler de Québec. Puis justement, j'étais à Beauport. Oui, Beauport. C'est un quartier à Québec. Et j'ai joué là. L'harmonie dont je fais partie, c'est la cinquième année qui allait là-bas, puis moi c'était la troisième année. Et j'ai bien aimé ça. Le pire, il a mouillé avant, juste avant qu'on commence à rentrer, pas trop longtemps, on voit un bel arc-en-ciel. On se disait, nous, ah, un arc-en-ciel, ça veut dire que la nature veut qu'on joue. Puis après ça, il a fait beau soleil. Ah, ça c'était formidable. Puis côté chaleur, on était bien. Sauf que quand on a fini le concert, par contre, là, il faisait frais. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, j'ai passé une très belle journée. Sinon, en ce moment, je suis en stage. Oui, j'ai commencé un stage en informatique. Mon stage en informatique, plutôt. J'ai commencé ça. Puis, c'est bien. Jusqu'à date, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. J'ai juste commencé, quoi? Hier? Bof. Je vais vous en dire plus, peut-être. Peut-être durant l'été. Parce que, oui, moi, mon stage finit le 14 juillet. Je suis en vacances du 14 au 14. Donc, du 14 juillet au 14 août, ouais. Je finis le 14 juillet, puis je recommence le 14 août. En gros. C'est à peu près ça. Bon, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine. On est là parce que on va faire un peu de programmation, mais pas la programmation en codage. Là vous dites, programmation c'est du code habituellement. Si je vous dirais que la programmation, oui il y a du code, c'est la base de tout. Bon, base d'un logiciel disons. Pourquoi? Parce que, vous savez où que vous voyez ça? Ça a été codé, à quelque part. Les vidéos, ça a été codé à quelque part. Tout a été codé à quelque part. Votre ordinateur lui-même, pour qu'il fonctionne, ça a été codé avec de... Pour que, qu'est-ce qui est matériel, là, ça a été codé aussi, le matériel, avec un langage de programmation qui se nomme l'assembleur. Mais là, je vais pas parler la programmation en tant que telle pour l'instant. Maintenant, où je veux en venir avec la programmation, on va faire aujourd'hui un ordinogramme. Un ordinogramme, c'est quoi ça? Au moins.
Un organigramme, c'est avant la programmation, c'est on fait la structure du logiciel. Oui, parce que c'est important. Là, j'ai un petit scénario pour vous que je veux vous qu'on va faire ensemble. Ici, il y a deux choix. Est-ce que je fais un si ou une boucle? Le si, je supposais que j'ai fait les deux. À l'école, c'est un exercice. Si je prends le si, je pourrais, mais je vais faire les boucles. Ouais. Je vais le faire le plus compliqué. Dans le sens, lui aussi, c'est un peu plus compliqué. Il est juste large. Je me souviens, il est large. Je vais prendre lui, les boucles. Ok? Mais juste avant de commencer. Sachez que l'organigramme, il peut être très utile. Ensuite, après avoir fait l'organigramme, nous allons faire les traces. Qu'est-ce que c'est les traces? À quoi ça sert une trace? Je vais vous dire ça. À quoi ça sert une trace? Pourquoi les traces? Et tout ça. Vous savez, là, je vais faire une référence avec la vraie programmation. Là, vous écoutez et vous faites de la programmation, puis vous testez votre programme. Là, vous voulez savoir où qui est le problème. Puis vous regardez ça. Ok, ça. Ah, ok, là, le problème parce que peu importe le problème. C'est un peu ça. C'est comme t'exécutes d'une façon autre. Disons, on exécute le programme du format papier et non format. Programmation directement avec du code. Commençons. Un enseignant vous demande un programme qui lui permet de saisir les notes de son groupe. Le programme lui demande d'abord combien de notes il veut saisir. Comme résultat final, il désire avoir la somme des notes saisies ainsi que la moyenne du groupe. Bon, c'est ça, un moins du groupe. Pour la trace, il faut le tester avec 40, 95, 80, 84, 75 et 98. Cela comprend pas celle de 4. J'ai fait du copier-coller quand même, mais je la comprends toujours pas. En gros, bon. Faut un programme, faut qui saisit quelque chose, puis il donne un résultat. En gros, c'est ça. Il y a aussi une analyse avant. L'analyse est l'intrant. C'est ça. Une saisie de notes. Le traitement, c'est le calcul de la somme et de la moyenne. Et l'extrant, c'est tout simplement le résultat, donc affiche la moyenne, affiche la somme, c'est à peu près ça. Commençons. Ben, au début, pour commencer, il faut bien évidemment un début. Et ouais, tout commence par quelque chose, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, on rajoute un autre. Et celui, ça va être déclaration INT. Faut pour toutes les déclarations. Si vous faites de la programmation, vous allez comprendre. Parce que ça, c'est une déclaration. Je vais aller plus proche. Chaque variable, chaque objet, chaque événement, faut déclarer. Faut tout déclarer. Ça, pour ça, je vais vous expliquer dans une autre vidéo informatique qui va aller après l'été. Parce que c'était un programme spécial, comme que je vous ai dit. Et il n'y aura aucune de vidéo actuelle. Ça faisait même pas Clash of Clans. Il va avoir du Minecraft. Puis d'autres affaires dont vous allez voir en temps voulu. Vous pouvez toujours aller voir sur mon site internet. Pour pouvoir
Comme c'est l'horaire. Puis je vais mettre ce qu'il va y avoir. Puis peut-être des surprises dessus. On va voir à ça. Ensuite, après le début, déclaration, oui, tout ça. Là, c'est sûr. Là, on voit des conditions. Ah oui, avant ça, il y a d'autres affaires, c'est vrai. Il y a une autre affaire avant ici, mais juste pour vous mettre en contexte pourquoi j'ai mis le rond. Le rond, c'est un point de jonction. En gros, lui, c'est une condition. Ben, attends un peu. Vous allez voir pourquoi. Si on rentre ici, il y a la condition. Si oui, la condition est respectée, il va là. Si non, la condition n'est pas respectée, il va là. Puis, vu que c'est une boucle, elle va là. Parce que ça remonte. Sinon, elle irait plus. Merci. Sinon, elle irait plus bas. Tout simplement. Il ferait ça. Si oui, elle fait quelque chose, il va là. Ou non, tout au contraire, tout qu'on fait. Mais juste avant, on va le relire. Un enseignant vous demande un programme qui lui permet de saisir les notes. Le programme lui demande d'abord combien de notes il veut saisir. Alors, ici, ça va être nombre de. Attends un peu. Saisir nombre de notes. Ça va comme ça. Ensuite, on met notre point de jonction. Je m'arrange pour que ça y ait drette. Bon, je reste sur ce point drette. Peu importe. Ensuite, on va relier ceci. Ah oui, celle-là, c'est même pas la bonne forme parce que une saisie, c'est un parallélogramme. Sachez que chaque forme a sa fonction. Donc, il est en train de bugger ça là. Bon, saisir nombre de notes. Là, le nombre de notes est saisi. Comme résultat final, il désire avoir la somme. Ce qui veut dire qu'il faut faire saisir une autre note. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire saisir une note. Saisir note. Sachez que ici c'est le nombre de notes. Là c'est la note tout court. Maintenant ici. Okay, il saisit 5 notes. Okay. On se fout du reste. Parfait. Vu qu'il saisit 5 notes, IC est égal à IC plus 1, qui est un compteur. On va mettre un compteur. Ce qui veut dire ici, IC est égal à 5. Si il n'est pas égal à 5, il va faire de quoi? Ensuite, si c'est oui, là on a calculé la somme. Si je voudrais. Non, ce qui est bref, non, il faut le calculer. Il faut le calculer. Je pourrais tout simplement faire la boucle puis mettre la somme de l'autre coursu. Ouais, on va faire ça pour pas faire créer de redondance. J'aurais pu tout simplement. Pas grave. Somme est égale à somme plus note. Sachez que ça, c'est on voit ça en programmation aussi. C'est de la programmation
vraiment de la vraie programmation. Je n'invente absolument rien. C'est pour bien se structurer. Tout simplement qu'on fait des ordinogrammes. Voilà. Si oui! Là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est moyenne. Moyenne est égale à moyenne divisé par nombre de notes. Attention, on va le mettre plus haut. Voilà. Ensuite, affiche somme. Affiche moyenne. Est-ce que j'ai tout? Comme résultat, il désire avoir la somme des notes saisies ainsi que la moyenne du groupe. Et oui, j'ai absolument tout. Et on fait fin. Voici notre ordinogramme au complet. Maintenant, pour voir si ça fonctionne, il faudra faire la trace. Là, la trace, on a besoin de la moyenne. On va aller avec la somme. La moyenne. Les notes. Ensuite, on va aller avec. C'est quoi déjà? Nombre de notes. Et commentaire. Pour commencer, il y a le début. Ici, il y a la déclaration. Miente. Alors, si on met tout à zéro. On a saisir nombre de notes. Excusez-moi, 0005, parce qu'on veut en saisir 5. Ensuite, là, on rentre là dans la saisie de notes. Saisir notes. Somme, on n'en a pas besoin, moyenne non plus. La note, oui, ce qui est quoi? 40. Nombre de notes, 5. Ensuite, ici le compteur. IC est égal à IC plus 1. Ah bah oui, j'ai oublié le compteur. Allez un peu, je peux y aller avec Excel. Fait que... Ça sera pas long, là. Fais ça. Ok. Je vais mettre le. Par contre, je vais déplacer le nombre de notes parce que vous allez comprendre par ici compteur. Ici, même affaire. Même affaire. Ici, 0. 40. Là, cette fois-ci, par contre, c'est 1. 5. Ensuite, somme est égale à somme. Ensuite, somme est égale à somme plus 1 plus note. Voilà. 0, 0. Oh, c'est vrai, somme. Je vais dire, il est à 40 là. Parce que c'est la somme plus
la note qui est là, qui est de 40. 5. Ensuite, si je me trompe pas, on va la condition. Et oui, la condition est compteur, faut qu'il soit égal à 5. Qui veut dire ici. Bon, mais génial. Ah non, c'est vrai, il. Je pensais qu'il avait pris égal à 5. Non. Ça change rien. 0, 40, 1 et 5. Est-ce que le compteur est égal au nombre de notes? Sinon, on refait la boucle. Et oui. On remonte ici. On ressaisit une autre note. Saisis note. On continue. 40, 0, 40. C'est quoi la prochaine note par contre? 95. En 5. Ensuite, précise une note, c'est le compteur. Cette fois-ci, il va 2. Après le compteur, c'est la somme. Tiens, je vais pas gosser avec ça. Si tu peux me le proposer. C'est vrai, la somme. 95 plus 40, c'est quoi tes jeux? 35, 135. Si vous me croyez pas, enlever 5, ça fait 35. Pour le donner à lui, puis ça fait 135. 0, 95, 2 et 5. Ensuite, attends un peu. Saisir note. Ok, c'est ce que je me disais. Compteur était-tu égal à 5? Non, il était égal à 2. 135. Je veux pas 0, je veux la flèche. Parce que je suis sur le clavier numérique de droite, c'est pour ça. Vous voyez? 2 est-tu égal à 5? Non, on recommence avec une autre saisie. Saisir note. Non, je comprends pourquoi tu ne me l'avais pas proposé. Mais c'est pas grave. 95. 2 et 5. Saisir note, c'est pas 95, mais. Mais bien 80. Ok. Un jour, ça va rentrer. Fin de la vidéo. C'est beau ça. C'est le compteur, de toute façon. 3 parce que. On l'a plus, je l'ai pas marqué, mais c'est. Ici est égal à. Ici plus 1. Je commence à prendre trop d'avance. C'est une note de somme. 135. Non. 80 plus 135. Ça fait. 5, 215. 3. 5. 35. Ça veut dire on va. Même 210. Ça t'a un peu. Non. On enlève 15 pour le mettre à ouais, c'est ça, 120. Il manque combien pour atteindre au plus haut? Il manque combien pour atteindre 200? Il manque 80 justement. Attends un peu. 80, ouais. Il manque juste ça, 80, 90, 100. Il manque 80 pour se rendre à 200. Alors, le 15 qu'on a que j'exemple, j'ai enlevé, je le remets pour faire 215. Pas pire quand même, calcul mental. C'est expliquer qu'il y a là, qu'il y a une autre histoire. IC est égal à. IC est égal à 5. Non. Est-ce qu'il est valide? On va le vérifier. 2015, oui. Non. Et c'est 3 et tu es égal à 5? Non.
On continue. Notre saisie. Je t'ai me mélangé d'un coup. Saisir note. 215. 0, c'est quoi la prochaine note? 84. 3, 5. Ensuite, c'est quoi? IC est égal à IC plus 1. C'est ce que je me disais. 215. 0, 84. 4, 5. Après ça, c'est somme. 215, 0, 84, 4, 5. J'ai pas fait la somme. Là, c'est quoi déjà? Je prends la calculatrice pour être sûr. 215 plus 84, 2,99. Je vais en avoir encore de besoin. QZ 2,99. Somme. Ici, c'est IC est égal à 5. Est-ce que mon compteur est égal à 5? Non. On ressaisit une note. Oh, je passe à la dernière. Ben oui, c'est la dernière. Inquiétez-vous pas. Saisir note. On continue avec le compteur. IC est égal à IC plus 1. Bien sûr, je n'ai pas fait ça. Bien évidemment. Prochain, c'est 75. En passant, il y a 6 notes, hein. Juste pour vous dire. Ouais, c'est correct, parce qu'on n'est pas encore dans le compteur, on est dans 6 notes. 2,99, 0, 75, 5, parce qu'on c'est un compteur. C'est vrai. Ensuite, somme. 2,99, 0, 5,15. 5, c'est bon ça. Est-ce que le compteur est égal à 5? On va voir ça tout de suite. Est-ce que le compteur 5 est égal à 5? Oui! Cette fois-ci, par contre, on s'en va retourner là. Vu que c'est oui. Donc, j'ai oublié le oui. Voilà. Là, on rentre ici. Moyenne est égale moyenne divisée par le nombre de notes. Mais juste avant, il y a encore oublié la somme. Bien évidemment. 2,99 plus 5,15. Plus 75 est égal à 3,514. J'en ai plus. Je vais en avoir besoin encore. 3,94. 74. Ça c'est correct. 3,74. Ici on calcule moins yen est égal à moyenne divisé par nombre de notes. Vu que on est dans la moyenne. 5, oh, déjà là, wow! Eh ben, j'ai fait une belle phrase, j'ai mis 2 au lieu de 3. Bon, ça c'est pas, c'est un petit détail, bon, je vais le corriger après. Divisé par 5, qui est égal à 74,8. 74,8. Puis 6, 2, 3. Voilà. Affiche somme, affiche moyenne, fin. Affiche somme, affiche moyenne,
et la fin. Range-le. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est exactement ma même affaire. Voici la trace. Ouais. C'est la trace de l'ordinogramme qu'on vient juste de faire. Ce qui veut dire, une fois qu'on a saisi ça, il fait ça 5 fois. Juste 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième fois, il fait pas ça par contre. La cinquième fois, il va ici. Vu qu'il a rempli la condition. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Un tout petit peu longue, je l'avoue. Mais c'est ça. Je pensais pas qu'elle aurait été aussi longue que cela. Mais c'est pas grave. Donc on a pu voir, on a pu faire la trace détaillée à partir du début, les déclarations, les saisies, puis tout ça. Le programme fait ça en tout temps. C'est des mathématiques, hein. Ça, c'est la logique, mais c'est aussi des mathématiques. Il y a les deux. C'est une bonne logique, ça, c'est correct. Mais mathématiques est aussi là. Qu'est-ce qui est bien aussi, vous là, vous voyez ceci. Quand je disais valide et non valide au courant de la vidéo que je me suis mêlé totalement, simplement parce que c'est l'autre exercice avec valide non valide, puis que je faisais une double boucle, vraiment une double boucle. Exemple, ici il y avait une autre condition, si oui il va fin, sinon on refait la boucle, puis il y aurait un autre point de jonction ici. Alors c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google+, Twitter, car tout le monde est bienvenu. Et vous pouvez aussi visiter mon site internet, dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.